Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous revenons pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est notre équipe de France. Notre équipe de France qui va nous faire rêver. Vous voyez les deux drapeaux qui sont en haut de la vidéo. Et oui, c'est les quarts de finale, le premier quart de finale avec l'Uruguay contre notre équipe de France. Notre équipe de France qui peut là en demi, qui peut nous faire rêver en espérant. Allez, on croise les doigts. Et j'espère que je vais gagner déjà au moins ce match-là. Et si on perd, ben on verra bien avec Cavani. Alors Cavani, normalement, il doit pas jouer. Donc ça, on va voir qu'est-ce que ça donne. Allez, avec Kanté. Kanté qui se fait contrer par Sanchez. Sanchez avec Cavani. Cavani qui fait le premier tir. Et c'est le premier contre de notre défense. Oh là là, les Uruguayens qui mettent déjà le pressing dans ce match. Le premier pressing, attention. Le centre. Et oui, c'est bien récupéré ça. Quelle défense de fou. Oh là là, quelle erreur. Quelle erreur de Maïkou. Quelle erreur de Maïkou. Oh là là, première occasion, il sera pour les Uruguayens. Oh là, ils m'ont fait. Oh là, j'ai fait une erreur. Je suis chaud, mais. Allez, avec Kanté. Kanté qui fait passer à Pogba. Pogba qui va faire partir Pavard. Et oui, Pavard, il est parti. Il y a déjà un joueur uruguayen. Attention, ça rigole plus. Ils sont très bons. Oh là là, quel pressing. Quel pressing. Oh là là, les Uruguayens. Avec Luis Suarez. Luis Suarez avec Pogba. Et oui, quelle intervention. Et quel. Ce soit avec Giroud. Giroud qui nous a pas fait rêver en huitième de finale. Et là, il nous fait vraiment, vraiment pas rêver. Allez, vas-y. Eh oui, tu nous as pas fait rêver, ben alors là, le Giroud, tu peux... Est-ce que Benzema aurait pu faire quelque chose en ce moment? Ben je sais pas, on verra bien. Qu'est-ce que ça donne? Allez, c'est récupéré. Oh là là, mais non! Ah si, c'est bon. Ah là, je me suis trompé de couleur. Allez, attention, Varane, je sais pas de t'emmener normalement. Hein. Mtiti, Lucas Fernandez qui fait passe à Pogba, qui va refaire passe à Pavard. Pavard qui est parti. Et Pavard qui se fait vraiment vite rattraper avec Pogba. Pogba qui en fait passe à Tolisso. Tolisso qui fait passe à Hernandez. Hernandez qui va faire passe à Rizou. Rizou qui va faire passe à Pogba. Pogba qui va tirer. Et c'est l'arrêt du gardien. L'arrêt de Muslera. Oh là là, Muslera. Qui fait le quelle parade, ça rigole pas. Pogba qui aurait pu marquer un magnifique but, et malheureusement pour notre équipe de France, il n'arrivera pas. Allez, attention avec Griezmann qui fait plat, qui sort encore avec Kanté. Est-ce qu'il a récupéré Tolisso? Tolisso qui tire de loin et qui tire à côté. C'est à côté. Ah non, c'était pas Tolisso, c'était Varane. Ah bah oui, je comprends maintenant pourquoi il a raté. Avec un Pavard qui nous a marqué un magnifique but. Oh là 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 là. Il nous a fait rêver. Il nous a fait monter au 7ème ciel. Avec Giroud. Giroud, attention. Il tire de loin. C'est le goal. Oh là là, Giroud. Giroud. Oh oui, tu peux faire cette danse ridicule. Oh, toi qui as été nul en 8ème et qui nous fait rêver. Oh là 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 là. Quel but. Quel but. C'est magnifique. On va voir ça en ralenti. Regardez. La petite feinte, oh là là, qui tire de suite. Oh là 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 là. Oh, c'est magnifique. Poteau rentrant. On le revoit encore une fois. On le revoit encore une fois, regardez. Oh là là, poteau. Muslera qui nous a vraiment rien fait. Oh là là, quel but à la 20ème minute. Allez, les Uruguayens qui vont essayer d'égaliser. Attention, c'est parti. Mbappé qui récupère Mbappé. Attention avec sa vitesse. Celui qu'on a nommé 37 km/h et qui refait passe à Giroud. Et Giroud, malheureusement, n'aura pas pu faire la passe à Griezmann. Attention, c'est le contre avec Varela. Varela qui fait partir Suarez. Suarez, il a été bon en quart de finale. Mais bon, malheureusement pour les Uruguayens, il n'arrive pas à marquer. Attention, Pavard. Voilà, belle petite défense avec Kanté. Kanté qui repart en arrière avec Pogba. Le premier buteur. Ah non, c'est pas le premier buteur, pardon, c'est Giroud. Je me suis trompé, c'est oui, Pogba qui a failli marquer, mais qui n'a pas marqué. Avec Tolisso, qui fait partir Hernandez. Hernandez, regardez comment il se fait rattraper. Oh, ça doit être une belle petite Griezmann. Griezmann qui est avec son ami qui est là à la surface, qui refait passer et taper. Et goal, 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 goal. Mais c'est magnifique. Et papou. Alors, est-ce qu'il va réussir à marquer dans ce quart de finale? Eh bien, ça, on verra. Voilà, quel magnifique but de notre équipe de France. Voilà, Mbappé qui nous a fait un doublé en 8ème. Donc, en espérant qu'il nous refasse un petit doublé, voire un triplé dans ce...
dans ce quart de finale. Et oui, il faut aller au moins en demi, les gars. Faut aller au moins en demi, les gars. J'espère que vous allez avoir la rage de vaincre. Et ouais, Loris qui peut récupérer facilement ce ballon. Allez, qui fait passe à Hernandez, qui fait passe à Varane. Varane qui va faire partir Pavard. Et oui, Pavard, celui qui a marqué le magnifique but des huitièmes. Pour l'instant, je pense que ça doit être un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde. Parce que Coutinho, il a marqué aussi un beau aussi. Avec Tolisso, Tolisso qui va tirer de loin. Et le... Oh non, c'est poteau sortant. Oh là là, on a cru au troisième but. On va voir ça au ralenti. Regardez, ça passe entre les jambes en plus. Oh là là, c'est dommage que c'est pas cadré. L'équipe de France... Alors, je rappelle aussi, en huitième de finale, je crois que j'étais match nul avant la mi-temps. Et après, ben, il y a eu, qu'est-ce que vous savez, j'ai gagné 5-0. Et au final, ben, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie réelle, quoi. Match nul avec l'Argentine, voilà. Et après, ben, vous connaissez le scénario, avec un scénario incroyable. Et pour l'instant, ben, on va voir si ça va nous faire pareil. Attention, Mbappé qui n'arrive pas à récupérer. Attention, avec Luis Suarez qui fait Benacour qui en fait passer à Luis Suarez qui fait passer à Cavani qui se fait contrer par l'équipe de France avec Tolisso qui fait la petite fin, Griezmann aussi et qui va faire partir Giroud, le premier buteur de ce match. Et est-ce que c'est lui qui va marquer en premier? Ben, j'espère pour lui parce qu'il nous a pas fait vraiment rêver depuis qu'il a égalisé Zidane. Il nous a vraiment pas fait grand chose, donc j'espère pour lui. Voilà, allez, on croise les doigts, surtout pour nous. Allez, avec l'interception des Uruguayens qui part en contre-attaque avec Luis Suarez. Allez, attention, en espérant. Oh, allez, c'est magnifique. Allez, avec Kanté, excusez-moi, je me suis trompé. Pogba, il est de l'autre côté. Avec Tolisso qui peut faire partir Hernandez qui va faire partir Mbappé. Oh là là, dans la surface, c'est dans la surface qui fait passer à Pogba. Et goal. Oh là là, Pogba qui fait le dab. Et oui, qui fait le dab. Oh, attention, c'est magnifique. Regardez, oh là là, quelle petite passe et Pogba qui arrive à se libérer dans cette surface. Et l'équipe de France qui est 3-0. Oh là 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 là, je tremble. Attention. Oh, c'est la mi-temps. Allez, c'est parti pour cette deuxième période. Et je rappelle que l'équipe de France qui mène 3-0. Et oui, vous lisez bien, 3-0 l'équipe de France. Attention, ça gueule plus. L'Uruguay qui n'arrive plus. Il n'arrive pas. Attention. Bon, en même temps, on ne sait pas si Cavani va jouer. Donc, si Cavani ne joue pas, est-ce qu'il va être bon attaquant? Mais bon, ils ont déjà une bonne défense. Mais bon, vous avez vu, contre le Portugal, ils ont pris le premier but de cette compétition avec Pavard. Pavard qui va faire un centre. Non, c'est bien récupéré par la défense uruguayenne. Ils sont partis avec Benacour qui ont fait passer à Rodriguez. Rodriguez, attention, il est parti Rodriguez et qui se fait contrer par Griezmann. Et Grisou, il est là, Grisou. Oh là là, mais c'est un peu, c'était pour nous. Moi, j'ai appuyé sur X. Et c'est bon. Allez, avec Kanté qui fait passer à Pavard. Pavard qui fait passer à Mbappé. Oh, allez, attention, qui va laisser dribbler. Et malheureusement, sur le premier dribble, je lâche le ballon trop vite. Allez, attention, avec Vesico qui fait passer à Sanchez. Sanchez qui peut pas récupérer cette balle. Oh là, attention, j'ai fait une petite erreur avec Luis Suarez, faut pas lui laisser le ballon. Allez, avec Suarez encore, avec Cavani aussi, faut pas lui laisser le ballon. Avec Sanchez, c'est bien récupéré. Attention, avec Pavard. Allez, on va repartir en arrière tranquillement avec Varane qui fait passe à Kanté qui fait passe à Pogba, le troisième buteur de ce match. Allez, avec Tolisso qui fait passe à Hernandez qui va faire passe à Griezmann qui fait passe à Kanté qui fait ça à Pogba qui fait passe à Pogba avec Kanté qui va faire passe à Pogba qui va tirer. C'est le poteau et c'est le tir, le goal. Et en
encore cette célébration ridicule. Mais c'est magnifique. Le doublé de Giroud. Oh là 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 là, l'Uruguay qui perd pied comme l'Argentine. Il perd de pied. Est-ce qu'ils vont nous faire rêver au double changement? Double changement pour l'Uruguay. Et oui, qui sont obligés de jouer le tout pour le tout avec la défense. Et là, maintenant, l'équipe de France va nous faire rêver. Ils pourront... Attention, avec Nadez. Le rentrant, Nadez, attention Nadez, oh là là Nadez qui est dans la surface et qui tire à côté. Oh, je respire, j'arrive plus à respirer, je suis en tremble, j'ai chaud. Allez, avec Hernandez avec une Titi qui ne fait pas sa Kanté qui ne fait pas sa Pogba qui va faire partir Mbappé qui ne fait pas sa Pavard, et oui, qui fait la petite feinte, et qui refait la petite feinte. Et oui, vas-y Pogba, je sais que tu veux partir, mais tu pars pas, et tu repars pas. Oh là là, oh dommage que le ballon qui est resté sur le pied. Oh là 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 là. Alors, faut savoir que l'Uruguay a pris qu'un but dans cette Coupe du Monde, qui fait partie des meilleures défenses du monde, parce que pour prendre pas beaucoup de buts, et je crois que même en match amicaux, ils n'ont pas pris beaucoup de buts, donc ça va être dur à mettre 4 buts, mais bon, s'ils nous font ça, l'équipe de France, ça va être magnifique. J'espère qu'ils vont faire ça, qu'ils nous fassent rêver, qu'ils nous fassent trembler, qu'on fasse la fête vendredi, qu'on passe un bon week-end. Attention avec Luis Suarez, il s'est bien rattrapé par Pavard. Attention, c'est au-dessus, vraiment, oh là là, l'équipe de l'Uruguay qui n'arrive plus, ils n'arrivent plus à récupérer la balle, attention, avec Pogba, et oui, c'est pas parti, ils partent pas, malheureusement pour eux, avec Hernandez, avec Pogba. Pavard qui fait passe à Pavard, attention, Pavard, oh là là, ça c'est bien contré. Et attention, Griezmann qui fait passe à Giroud, dommage, le petit pied, avec Cavani qui fait passe à Laxal qui fait passe à Cavani, attention, Cavani qui est passé avec Titi qui va essayer de le contrer. Et c'est un bel arrêt de Loris qui est un monstre dans ces Coupes du Monde, c'est un monstre. Alors oui, il s'est pris le premier but. Hein, le premier but, bon, ok. Le deuxième but, c'est un but chanceux. Le troisième but, bon, on va dire, il aurait pu sauter un peu plus tôt, il aurait la balle. Mais bon, c'était la fin, ils étaient déconcentrés. Allez, attention, avec Mbappé, on dirait qu'il va faire partir comme l'Argentine, l'autre qui l'a taclé. Et malheureusement, si, c'est bon, c'est récupéré. Allez, c'est récupéré, c'est bon, bien joué Mbappé. Attention, c'est parti avec Tolisso. Tolisso qui fait partir Griezmann. Et Griezmann qui n'arrivera pas à avoir ce ballon. Et attention, Griezmann qui va faire... Oulolololo. Petite faute, mais c'est rien, monsieur l'arbitre. Et qui va siffler. Qu'est-ce qu'il siffle? Ah, bah, il siffle je sais pas, il est arrivé, je sais pas pourquoi il est parti jouer autant pour pas faire montrer vraiment la faute, mais c'est pas grave. Attention, le goal. Et l'Uruguay qui revient dans ce match. Et oui, l'équipe de France qui prend ce but. Et attention avec attention, c'est qui a tiré? Je me rappelle plus. Ah, c'est Vissico, je crois. Et oui, Vissico qui marque dans ce match. Ah non, c'est Nadez, le rentrant, Nadez. Bon, c'est pas grave, allez, on s'est pris un but, c'est pas grave, allez, c'est la fin du match avec Pavard, attention, ça gueule plus, Pavard qui est parti, malheureusement. Aïe, allez, attention, et avec, c'est bien récupéré, allez, Pogba qui on fait passe à Hernandez, attention. Allez, j'ai fait mes petits changements tranquillou avec Kanté qui fait passer à Pogba. Attention Pogba, oui.
Allez, oh là là, qui se fait contrer. Attention avec Goubin. Goudin, pardon, attention. Et oui, Titi est toujours là. Titi, Tolisso. Allez, attention. Pogba qui fait passer. Non, qui n'arrivera plus. Allez, attention, en espérant que les. Attention, Cavani qui tire à côté. Oh là 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 là. Allez, attention, qui fait passer à Pavard. Le Pavard qui va sortir à l'arrêt du ballon. Attention, Pavard, regardez, Pavard qui va faire partir Mbappé. Et c'est bien contré. Et il y avoir les petits changements. Attention, avec la sortie de Giroud, la sortie de Pavard, parce que Pavard, le pauvre, est fatigué. Avec Jimmy Kimpembe. Attention, le centre. Attention, et oui, c'est dommage. C'est dommage. Allez, il faut que ça sorte le ballon. Oui, il va sortir. Il va sortir. Oh là 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 là, c'est fini. La victoire de l'équipe de France 4 buts à 1. Et en espérant que ben, l'équipe de France nous fasse encore rêver dans ce quart de finale. Je croise les doigts. Je croise les doigts. J'espère qu'ils vont nous faire bander. Et oui, je le dis. J'espère qu'ils vont nous faire bander. Et voilà, c'est l'heure de vous dire bye bye.